Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Nous sommes toujours dans les quotidiennes spéciales et le thème de cette semaine, coutumes et traditions. Au sommaire de cette émission, donc nous parlerons cricket dans notre rubrique C'est Sport. Ensuite, pour notre agenda, Davina nous parlera des différents rendez-vous et des fêtes culturelles. Pour notre rubrique Fin Bon, nous vous présenterons la recette du mouata manioc. Et enfin, pour notre rubrique C'est Bien de chez nous, nous parlerons encore une fois du tapas, donc une occasion de revoir nos reportages de 2015. Mais pour l'heure, je vous propose de retrouver notre invité du jour. Alors, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Gérard Del Rio. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le rédacteur en chef de la revue Moivé, donc une revue semestrielle, hein, Moivé, qui, pour reprendre un peu les termes un peu du site du Centre culturel Tibaou, est une interface entre la culture orale et sa transmission plutôt par l'écrit. Mmh. Alors, racontez-nous un peu l'histoire de cette revue qui est apparue pour la première fois en mai 93. Voilà. Alors, je ne dis pas que vous avez tout dit, mais c'est vrai que ça commence à être une longue histoire, Moivé. C'est une revue qui a été créée à l'initiative de la DCK, hein, de l'Agence de développement de la culture kanak, donc par Octave Tonia, qui était le directeur général à l'époque, et puis Marc Coulon, qui était quelqu'un qui était venu de métropole pour contribuer au projet culturel de la DCK à l'époque. L'idée de cette équipe, qui ensuite a été rejointe par Emmanuel Cazareiro, c'était de donner enfin la parole aux Kanaks en direct. Hein, parce qu'ils s'étaient rendu compte que, ben, ma foi, dans les médias, à l'époque, hein, je précise bien à l'époque, la présence Kanak était quasi inexistante, la culture Kanak encore plus. Et qu'il y avait un besoin de relayer ce que les Kanaks avaient à dire de leur propre société, de leurs propres coutumes, de leur propre culture, et ce, en direct, sans que ce soit réinterprété. Voilà. Donc, l'idée, c'était de transcrire la parole, en fait. Hein. D'où le principe des interviews qu'on retrouve tout au long des Moivé jusqu'au dernier numéro, là, en date. Alors, comment se fait justement le choix des articles? Est-ce qu'on peut parler de tout dans cette revue? On parle culture, coutume, par exemple dans le Moivé 82 et 83, on parle de sexualité, un sujet assez tabou dans notre culture, puisque justement cette semaine, c'est la semaine spéciale coutume et tradition. Comment on fait le choix de ces articles? Moi, je me suis rendu compte que contrairement aux idées reçues sur la société kanak, sur les kanaks, on peut aborder tous les sujets avec les Kanaks, comme avec n'importe qui d'autre, y compris de la sexualité. Par exemple, dans un des tout premiers numéros de la revue, hein, donc là, maintenant ça remonte à loin, il y avait un thème qui avait été travaillé sur le corps kanak. Par exemple, on abordait déjà des thèmes qui étaient en rapport avec le corps, donc l'expression corporelle, donc le rapport à l'autre, le rapport au corps, donc la sexualité. Donc c'est pas nouveau. Hein. Là, par exemple, dans le numéro auquel vous venez de faire allusion, on est allé un petit peu plus loin parce qu'on rebondissait sur une expo un peu provo de Roger Boulet, l'anthropologue du Quai Branly notamment, qui était venu faire une expo sur la sexualité. Voilà, donc c'était un petit jeu. Ça répond aussi à votre question, comment est-ce qu'on fait le choix des sujets? Je pense qu'il y a des sujets qui s'imposent, comme dans ce numéro que vous avez sous les yeux, par rapport à l'exposition de Sébastien Lebeg, en lien avec évidemment la DCK et puis tout le département recherche et patrimoine, sur la coutume, sur l'âme de la coutume, un travail photographique très intéressant. C'est vrai que moi j'ai eu envie de mettre ce sujet-là en valeur, de me dire tiens, les gens qui n'ont pas eu l'occasion de venir au centre pourront quand même avoir une idée de ce que c'est que cette exposition, que ce travail. Alors à travers vos écrits, comment avez-vous vu l'évolution d'une culture hein, qui reste assez figée mais qui en même temps doit évoluer avec cette société et face justement à la société occidentale? Bah, je l'ai vu évoluer déjà dans l'aisance par rapport à la parole. C'est-à-dire, notamment, moi au départ, j'ai rencontré quand même pas mal de vieux. Hein, c'est normal, ce sont eux qui ont la sagesse, sont ceux,
qui ont le savoir et qui sont habilités à parler, beaucoup plus que les jeunes. Les jeunes sont plus timides. Mmh. Et donc j'ai vu que, en fait, les gens, notamment les vieux, les anciens, se livraient beaucoup plus facilement, comme s'ils étaient davantage en confiance après une longue période comme ça, un peu obscure, on va dire. On va pas la détailler. Oui. En gros, c'est découverte par la période de la colonisation. Et qu'en fait, on sortait un petit peu de ces ténèbres-là. Enfin, on pouvait parler. Enfin, on pouvait se sentir libre de dire les choses telles qu'on l'entendait. Moi, j'ai ressenti ça vraiment avec force, quoi, au fil du temps. C'est ce qui m'a passionné d'ailleurs. C'est vraiment quelque chose de très fort. Alors, est-ce que, à travers aussi également les gens que vous avez interviewés, est-ce que vous n'avez pas remarqué que la culture risque de devenir, en fait, risque d'être plus folklore, on va dire ça. Est-ce que les gens n'ont pas cette impression-là? Écoutez, alors, après, tout dépend de ce qu'on entend par folklore. Oui. Enfin, je veux dire, si la culture kanak est un folklore, moi, je veux bien que tout soit folklorique, alors, à ce moment-là. Personnellement, je n'ai jamais ressenti ça. Tout à l'heure, en préparant l'émission, on parlait d'exemples comme Wechecha, comme d'autres. On peut dire, oui, c'est du folklore. Où s'arrête le folklore, ça, c'est une autre question. En tout cas, ça a le mérite de montrer et de valoriser la culture kanak, de valoriser l'art de la danse, l'art du chant, enfin, etc. Dans d'autres domaines, ça va être la sculpture. Donc non, je ne pense pas que la culture kanak soit menacée par une folklorisation au sens un peu réducteur du mot. Je pense qu'elle est au contraire très vivante. Elle est toujours elle est vivante dans la mesure où les gens sont habités par elle. Les gens sont habités par la coutume et de la même manière ils sont habités par la culture. C'est ce que je ressens en tout cas. Après, bon, il y a des variations évidemment et puis il y a des adaptations. Les jeunes d'aujourd'hui, vous le savez aussi bien que moi et mieux que moi, ils utilisent les nouveaux médias, enfin, etc. Est-ce que c'est bien, pas bien? C'est pas la question. Je vois pas au nom de quoi les jeunes d'aujourd'hui, qu'ils soient, parce qu'ils sont kanaks, n'utiliseraient pas les mêmes outils que les petits copains ou les petites copines qui ne sont pas kanaks. Alors justement, vous avez parlé de nouveaux médias. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que la culture s'occidentalise, pardon? Je vais vous renvoyer la question. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que la culture occidentale s'en kanakise? Alors, justement, il y a une revue sur Mélanésia 2000, donc le dernier grand événement justement du centre culturel. Comment l'avoir transcrit justement dans cette revue-là? C'était facile pour vous de retranscrire en fait ce qui avait été retranscrit à l'époque en 1975? L'idée, c'était pas de revenir sur tout ce qui avait déjà été dit sur Mélanésia. À l'époque, il y a eu peu de couverture médiatique. Après, il y a eu un numéro 10 de Moavé qui a traité du sujet, et y compris aussi des gens qui, à l'époque, avaient des réserves sur Mélanésia. Et là, on a essayé de montrer un peu la dimension socio-économique aussi de ce festival, et de montrer la façon dont il a irrigué notamment le paysage culturel, on le voit bien. Mais aussi la façon dont il a contribué dans cette manifestation, a contribué à ouvrir les esprits sur le monde et les réalités économiques. Et ça, c'est tout à fait intéressant aussi. Donc voilà, c'est un petit peu ce qu'on a essayé de faire. Et on voit bien qu'à l'époque, on parlait déjà aussi de folklore. Est-ce que Jean-Marie Djibaou a eu ou non raison de faire ce festival? Je veux dire, la démonstration, elle est claire et nette. C'était un visionnaire. Il l'a prouvé une fois de plus. Je ne pense pas qu'on en serait là s'il n'y avait pas eu ce festival. À tout point de vue, pas seulement sur le plan culturel. On ne serait pas, je pense, l'un en face de l'autre, dans les mêmes conditions aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu ce festival. Alors, pour terminer, parce que nous arrivons au terme, les gens peuvent justement se procurer cette revue au Centre culturel Djibaou ou sur le site du Centre culturel Djibaou. Oui, puis également, pour ce qui concerne le dernier numéro, dans les points vente habituels. Dans les points vente habituels de la place. Alors, pour terminer, est-ce que la culture kanak, en tant que journaliste, en tant qu'écrivain, la culture kanak est une ressource inépuisable? Quand on écrit, on a beaucoup, on voit que les reportages se ressemblent, ça tourne rond. Est-ce que justement la culture kanak est toujours une culture là où on peut justement s'inspirer pour pouvoir écrire des articles aujourd'hui? C'est une culture qui est en renouvellement perpétuel.
qui a une étonnante capacité d'adaptation, de réinvention, d'interprétation, de réadaptation. Ça c'est évident. Et ça, c'est aussi un élément très positif, hein, pour l'avenir, on va dire. Non, moi, j'ai jamais ressenti ça, en tout cas. Hein. J'ai plutôt souffert de ma condition humaine, voilà, de ne pas pouvoir couvrir davantage de sujets, de ne pas pouvoir couvrir davantage de terrain, de ne pas pouvoir rencontrer davantage de gens, parce qu'il y a encore, plein de choses à faire. Hein. Il y a encore plein de gens à rencontrer, plein de gens à découvrir, voilà. Voilà, donc vous l'avez entendu, ouvrez vos portes à Gérard Del Rio. Donc merci d'avoir accepté cette invitation et merci de nous avoir parlé de cette revue. Ben merci à vous, merci à la télé surtout. Bonjour Davina, c'est un agenda dédié aux différentes fêtes et aux différents rendez-vous culturels que tu nous as préparés aujourd'hui. Oui, c'est ça. Bonjour Élise et bonjour à vous à la maison. Aujourd'hui, petit tour d'horizon de ce qui est proposé sur l'ensemble du pays pour mettre en valeur nos coutumes et nos traditions. Je voulais faire un petit focus sur les activités qui sont proposées aux enfants et qui vont dans la transmission des savoirs. On commence avec l'incontournable Festival des moins grands, qui a lieu donc tous les ans au mois de novembre sur le site de Nesson à Wawilou, qui permet aux enfants de la commune déjà de se retrouver, parce que c'est quand même la commune qui a le plus de tribus. Donc déjà, premier point, de se retrouver et puis aussi de s'initier aux différentes pratiques culturelles qui sont proposées le temps d'une semaine. C'est vrai qu'on a pu découvrir hein, ce festival en images à travers les différents reportages tournés par nos équipes. Et c'est vraiment une grosse organisation, ça on peut le dire. Hein. Je pense notamment au travail des différents intervenants qui se déplacent spécialement pour l'occasion. Oui, c'est ça. Ils ont de la chance, nos petits, pendant 5 jours, ils pourront s'initier à différentes activités, comme je te le disais. Bon, apprendre à utiliser notamment le bambou tempéré, à confectionner différents instruments traditionnels, à chanter en langue aussi, parce que ça se perd. Donc, ils vont réapprendre les berceuses. Ils vont aussi apprendre le chant choral, donc là je pense que tu es quand même un peu mieux placé que moi pour en parler, c'est pas si facile que ça. Hein. Il y aura aussi de la vannerie, c'est important de réapprendre à faire des nattes pour les coutumes et pour leur vie future. Et puis il y aura aussi l'occasion d'apprendre la sculpture, d'échanger avec des professionnels de la sculpture et de voir avec eux les différentes thématiques qui tournent autour de la sculpture par rapport aux coutumes justement. Tout ça va permettre à l'enfant d'enrichir un peu ce qu'il a déjà appris à la maison et d'enrichir ses bases justement en termes de tradition, de coutumes. Et d'ailleurs, Davina, dans le même registre, il y a aussi le DECA Festival qui propose aux enfants du pays de renouer avec la coutume, hein, en s'initiant à des activités culturelles. Oui, c'est ça. Donc le DECA Festival, c'est du côté de Puebo. Il accueille les jeunes depuis 2008. Donc les jeunes du pays tout entier peuvent venir pendant une dizaine de jours sur Puebo. Donc au départ, ça se tenait sur les vacances de janvier. Et là, c'est vrai que les deux dernières années, ça se passe plutôt au mois d'avril. Donc voilà, à suivre très prochainement. Le DECA Festival, c'est une résidence qui regroupe des artistes qui auront la lourde charge, là aussi, de transmettre des savoirs aux plus jeunes. Donc c'est un vrai dispositif d'éducation basé sur la pratique qui est mis en place. C'est vrai qu'on apprend toujours mieux quand on le fait soi-même, n'est-ce pas, Élise? Donc voilà, différents ateliers sont mis en place pour s'initier à la sculpture, là aussi, à la danse traditionnelle, à la musique traditionnelle, en apprenant justement à confectionner, je pense au fameux bonjep, là, voilà, on apprend à faire des bonjep là-bas, il y aura tout ça qui est mis en place. Moi je voulais terminer sur le DECA Festival avec une petite citation d'Ostien Touyada, donc c'est l'un des organisateurs. Il disait à Mathieu Le Barbier et Anna Chiron en 2013, la phrase qui suit, donc notre salle de classe c'est la nature, ça résume tout à fait la semaine qu'on est en train de vivre. Voilà. Et d'ailleurs, on attend avec impatience hein, l'édition 2016 de ces deux manifestations. En attendant, on poursuit avec justement une résidence culturelle pour aller découvrir différentes activités traditionnelles. Voilà, très important. Ça commence aujourd'hui, ça se tient jusqu'à samedi. Donc, 6 jours proposés par l'association Piwiyan Ma Paris, pardon pour la prononciation. Donc, en partenariat avec les différents artistes, ça se passe du côté de la maison commune de Ouaté à Pointe-Boute pour partager et
transmettre autour justement de la monnaie kanak, de la vannerie, de la sculpture. Il y aura des ateliers confection de flûtes et de frondes. Il y aura aussi l'occasion d'échanger avec les vieux. Voilà, tout simplement, ce que j'avais à vous dire. Tout le monde est le bienvenu. Et puis, si vous avez besoin de plus de renseignements, je vous laisse un numéro de téléphone aussi, le 47 33 01. On finit, elle est sur une très très belle phrase qui est à la fin de l'affiche qu'on a pu voir tout à l'heure et qui dit donc, on retient pour un jour ce que l'on entend et on retient pour toujours ce que l'on a pratiqué. Voilà, belle phrase. Merci Davina. Et sur ces mots, on se dit à mercredi. C'est ça. Merci Élise et à mercredi à tous. Bonjour Jimmy, aujourd'hui on va s'intéresser à un sport qui n'est même plus à présenter. C'est clair, bonjour Élise et bonjour à tous. Qui ne connaît pas le cricket et notamment sa version traditionnelle qui est d'ailleurs propre à la Nouvelle-Calédonie, une discipline qui lie sport et tradition. Tradition pourquoi Élise? Tout simplement parce que les joueuses qui pratiquent le cricket porte une robe mission ou la fameuse robe popinée. Alors les règles du cricket puisent leurs origines toujours pour la petite histoire durant l'arrivée des missionnaires anglais sur le territoire et pour être plus précis aux îles Loyauté, Élise. Alors où s'est déroulée la première rencontre de cricket, pardon? Eh bien sur l'île de Ngone, ce sont les Maréens donc les premiers à avoir assisté à une rencontre de cricket où deux équipes s'affrontaient tour à tour à la batte et au lancer. Les joueurs parlaient tous anglais et là c'était du cricket international, celui qui est d'ailleurs pratiqué sur les îles Fidji, en Papouasie-Nouvelle-Guinée ou encore Élise en Indonésie. D'ailleurs, les champions du monde de la discipline, ce sont les Indonésiens. Un spectacle, je parlais du match, d'ailleurs le premier match ici en Nouvelle-Calédonie, eh bien, il a été tout simplement apprécié par la population locale qui petit à petit, les Maréens se sont mis à organiser eux-mêmes leur propre rencontre avec ça, c'est bien entendu avec des gestes beaucoup moins académiques que le cricket international, mais très spectaculaire. Et ça, c'est le cricket traditionnel qui vit le jour donc durant la période des missionnaires anglais. Voilà, en tout cas, ils se sont appropriés ce sport. D'ailleurs, on y retrouve des mots anglais dans le cricket traditionnel. En effet, Élise, on commence par le paya. Le paya, pour désigner l'arbitre de la rencontre, c'est un dérivé du mot anglais umpire, mais il y a aussi le mot wigitch, ça c'est utilisé couramment dans le cricket traditionnel. Wigitch en anglais c'est le wicket, donc pour désigner les trois piquets que le lanceur doit atteindre pour éliminer le joueur qui est justement à la batte. Alors qu'est-ce qui fait la touche traditionnelle de ce sport qui a une version internationale? Alors déjà, Élise, il faut savoir qu'il y a la balle au pays. Les joueurs utilisent le Wenesa, donc c'est une balle confectionnée donc avec de la sève. En international, c'est une balle qui est faite de liège dur recouverte de cuir. Il y a également la manière de lancer, plus spectaculaire pardon, et sportive en international qu'au cricket traditionnel. Et enfin, la tenue, c'est d'ailleurs ce qui fait le charme de cette discipline. Les années venues de ces joueuses sur le terrain de Hindu en robe mission aux couleurs de la tribu, du district ou de la commune, le cricket a su se faire une place dans le paysage sportif calédonien au point, Élise, de devenir l'un des sports les plus pratiqués. La preuve même, les hommes se sont lancés dans la pratique. D'ailleurs, je vous propose d'en savoir un peu plus dans ce reportage tourné au stade de Hindu, le fief du cricket calédonien. Le cricket, c'est un sport anglais au départ. Il est arrivé en 1840 avec les missionnaires anglais. Et donc, ils ont pratiqué ce sport à la façon anglaise, devant les tribus, notamment à Marais. Et donc, apparemment, les vieux de l'époque, ils ont trouvé que c'était un jeu assez sympa et ils le sont approprié. Ils l'ont transformé un peu, parce que le cricket tel qu'il était vraiment pratiqué, il était pratiqué avec un lancer à bras tendu. Et donc les vieux l'ont simplifié avec un lancer à bras cassé. Voilà, donc ils se sont appropriés. Le matériel aussi, c'est devenu simple. Ils ont fabriqué donc les balles avec la sève de Bagnan. Et ils ont fabriqué aussi localement des battes. C'est devenu un peu des battes un peu plus longues. Et donc c'est comme ça que le cricket anglais
est devenu dans la forme calédonienne le cricket traditionnel. 3, 4, c'est bon, la boule, les garçons. Le déroulement d'un match va donc opposer deux équipes qui vont donc s'opposer à tour de rôle à la battée. Hein. Donc lorsqu'une équipe sera à la battée, on dit qu'elle est en défense puisqu'elle elle va défendre le guichet, les trois piquets. Et donc l'équipe qui est à l'attaque, c'est l'équipe qu'on appelle au service qui, elle, a la responsabilité d'éliminer les batteurs justement en essayant de toucher la base. Un match en moyenne, on va compter 4 heures et 5 heures de match. Le temps n'est pas défini puisque on est dépendant des éliminations des batteurs. Donc les batteurs, ils peuvent très bien être éliminés très très rapidement si les lanceurs adverses sont performants. Mais à l'inverse, si les lanceurs adverses, c'est plutôt les batteurs qui sont plus performants. Donc là, la tapée peut s'allonger et donc la durée du match également. Le club dans lequel je joue, c'est l'AS Béroumas, c'est le club de la tribu de Mou. Et ça regroupe tous les jeunes de Noumia qui sont ici pour les études, pour le travail et tout. Pour moi, le cricket, en fait, c'est un sport d'enfance. Quoi. On a toujours grandi dans le cricket. Nous, on joue pour notre grand chef, qui est à la tribu, le grand chef Evanes Boula. Et c'est notre plus grande fierté qu'on porte les couleurs bleu et jaune. Deux variantes du cricket, il y a le cricket traditionnel et le cricket international. Donc ce qui différencie, c'est un peu la façon de jouer sur le terrain. International, il y a une dalle et tout, et là, traditionnel, c'est nos vieux d'avant, ils venaient comme ça, ils n'ont pas de matériel, et puis voilà, on a un jeu, on joue, c'est le cricket, voilà, puis c'est comme ça que c'est né le cricket. Les règles du traditionnel sont les mêmes, pour tout le monde, que ce soit aux îles, au nord, sur la grande terre, c'est les mêmes règles. Quand le sport est arrivé avec les évangélistes, c'est vrai que le cricket aussi a été un moyen pour les femmes de s'émanciper, notamment la femme mélanésienne, puisqu'elle a trouvé dans ce sport un moyen d'expression, un moyen aussi pour faire autre chose peut-être que les tâches qu'elle avait l'habitude de faire à la maison. Et donc c'était un jeu accessible, on va dire, pour les femmes de l'époque. C'est pour ça qu'elles se sont pleinement appropriées. Et c'est vrai que sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie, on va dire que c'est plus les femmes qui pratiquent un peu partout. On a des équipes aux îles, on a des équipes femmes au sud et au nord aussi. À l'inverse, on a des équipes hommes, mais pas partout. Au nord, ça a du mal à prendre. Dans le sud, un peu, c'est surtout ici à Nouméa. Sinon, à Yaté, on n'a pas d'équipe homme à Yaté. Par contre, aux îles, y a une bonne tendance aussi chez les équipes hommes.
La personne qui comptabilise les points dans le cricket, donc sur le terrain, on a bien sûr les deux arbitres qui officient, et à l'extérieur du terrain, nous avons donc les deux scoreurs, les deux pointeurs, et dans le langage du cricket, on les appelle aussi les deux calaques. On a des petites filles, ben c'est vrai que le calaque, ça demande quand même de l'attention, mais c'est vrai que les petites filles qui ont scoré tout à l'heure, elles avaient entre 10 et 12 ans, et elles arrivent parce que le système n'est pas trop compliqué, et une fois qu'elles l'ont assimilé, ben c'est facile pour elles d'être calaque aussi dans un match adulte. Alors 4 points pour l'entente, ils ont manqué 46 points. Il y a un championnat dans la province sud et voilà, on s'affronte avec toutes les autres équipes. Il y a Lucy, il y a GSO, il y a Iwadji, il y a plein d'autres équipes. Oui, il y a toujours une ambiance bon enfant, on joue un peu et puis voilà, ouais, on est là pour s'amuser tous les week-ends. Voilà, et en ce moment, le cricket hein, est en stand-by. Hein. En effet, Elise, c'est la trêve. Le championnat débutera probablement une semaine après la rentrée scolaire. La seule activité est à noter dans les îles Loyauté au niveau du cricket à l'occasion de la 25e édition de la traditionnelle Coupe Yewene. Oui. Également une discipline, enfin une compétition, un tournoi qui n'est plus à présenter. Donc les jeunes de moins de 14 ans ont la possibilité de s'essayer à plusieurs sports collectifs, football, volley, pétanque ou encore futsal. Et notamment cricket, le cricket traditionnel. À part ça, c'est le calme total au niveau de la discipline dans la majeure partie du territoire, Elise. Merci Jimmy. Merci Elise et merci à tous de m'avoir suivi. Alors aujourd'hui pour notre fimbon, donc je vous propose une recette que vous allez aimer. Donc c'est un plat populaire, hein. Il est fêté chaque année dans la commune de Puebo. Je veux bien sûr parler du muata. Donc on peut également râper les bananes ou encore les manioc. Mais aujourd'hui je vous propose donc le muata au manioc. C'est tout de suite sur NCTV. Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la recette du muata manioc. Donc pour préparer ce plat, il me faut des maniocs, du coco caramélisé, du lait de coco, du poivre et du sel, avec 4 feuilles de cordeline, car ça va être pour 4 personnes, avec des feuilles de pandanus pour envelopper, pour attacher. Pour commencer ce plat, il me faut 4 morceaux de manioc pour râper. Voilà, j'ai terminé de râper mes maniocs. Là, je vais pouvoir les presser pour tirer le jus qui est amer. On va mettre dans le manioc du lait de coco, un peu de poivre et un peu de sel. Et je mélange. Là, j'ai fini mon mélange. Là, je vais pouvoir les mettre dans les feuilles, dans la feuille de cordeline. Je mets mon manioc dans la feuille de cordeline et je l'étale pour pouvoir mettre mon bonbon au coco dedans. Mon bonbon au coco, je l'ai fait avec, je n'ai pas besoin de vous le présenter car tout le monde sait faire du bonbon au coco.
avec une cuillère. Ma manioc elle est étalée sur la feuille de cardeline et je mets mon bonbon au coco au milieu. Et je rabats les deux côtés. Je remonte le bout. Avec une feuille de pandanus, j'attache. À l'aide d'un couteau, je coupe le bout qui me dépasse un peu. Et voilà, et ça fait ça. Je mets mes moitas dans une petite marmite. Je mets un petit peu d'eau. On va maintenant passer à la cuisson au feu de bois. Les maniocs sont cuits, je vais passer au dressage. Pour le dressage, je place les maniocs et je mets un peu du bonbon coco au milieu de chaque moita. Et je mets quelques fleurs juste pour faire joli. Mon dressage est terminé. Je vous souhaite de réussir cette recette et je vous souhaite bon appétit. Bonjour Diouk, aujourd'hui dans C'est bien chez nous, on revient sur le thème donc du tapas. On rappelle que le tapas, c'est cette étoffe, ce tissu donc réalisé à partir de fibres végétales. Bonjour Élise, bonjour à vous à la maison. Alors oui, on va dire que c'est une étoffe, enfin le tapas est une étoffe obtenue en battant l'écorce de certains arbres. Et puis oui, le tapas, dans C'est bien chez nous, parce que on va dire que le tapas c'est une longue tradition chez de nombreux pays voisins de l'Océanie, des pays voisins, des frères à nous de l'Océanie. Et on verra plus tard dans notre chronique que nos vieux à nous aussi, jusqu'à aujourd'hui, pratiqué cette tradition-là de confectionner le tapas à partir de fibres végétales. Alors souvent quand on pense tapas, on pense aux Polynésiens. On pense par exemple aux traditions wallisiennes et futuniennes. C'est vrai, Elise, et il faut savoir déjà que du côté de Wallis et Futuna, ce sont plutôt les femmes qui réalisent ces tapas. Alors, quelles sont les plantes utilisées pour réaliser les tapas? Alors, en Polynésie, il y a d'abord le mûri à papier, et puis aussi ce qu'on appelle le ourou là-bas, le ourou qui est donc l'arbre à pain, et à côté de ça, ils utilisent parfois le figuier sauvage. Mais à quoi ça sert? En fait, autrefois, et encore un petit peu aujourd'hui, on fabriquait des vêtements à partir de ces tapas-là. Et ces vêtements-là étaient surtout destinés, dédiés à des personnes de haut rang ou qui avaient des hautes fonctions, on va dire ça comme ça, les familles royales ou les chefs de clan, tout ça. Et on s'en servait aussi comme objet d'échange lors de certaines cérémonies, Elise. C'est encore le cas aujourd'hui. Et puis, pendant longtemps, le tapas a été aussi un support sur lequel les mamans wallisiennes et futuniennes notamment, peignaient des motifs qui appartenaient ou plutôt qui représentaient leur clan, leur histoire.
J'ai vu aussi, enfin, j'ai noté dans mes recherches là que au musée, enfin, il y a quelques années de ça, pardon, au musée de Tahiti, il y avait même une exposition d'anciens tapas et les plus vieux tapas dataient de 1800. C'était des tapas qui avaient été récupérés par les navigateurs européens à l'époque. Alors en Mélanésie, la tradition tapas est aussi un héritage ancestral. Tout à fait, Élise. Ce qu'on peut dire, c'est que ben, y a nos frères fidjiens, vanuatés, les salomonais et certains clans de Papouasie qui confectionnent aussi ces étoffes en fibres végétales. Et aussi, c'est surtout à des fins cérémoniales. Pardon. Et il faut aussi savoir que même si on n'utilise pas les mêmes végétaux, cette tradition de tapas est aussi bien ancrée chez nous. C'est vrai, Élise. On va dire que c'est une pratique de nos vieux qui revient un petit peu au goût du jour grâce à des personnes telles que le vieux Yvan Kona, le vieux collecteur du patrimoine là, originaire de Canala. Et ici au pays, on l'utilisait surtout pour la confection de chapeaux, d'étuis péniens, d'étuis ou d'étoffes pour couvrir les monnaies canacles, mais aussi pour couvrir le corps de nos défunts. Alors Élise, je ne t'en dis pas plus, on va plutôt regarder ou plutôt re-regarder ce reportage de Mara Lure, parce que c'est une rediffusion. On rappelle donc que Mara avait rencontré le vieux Yvan au musée du pays. Ce que vous voyez là, en fait, c'est le produit fini. Là. Il y a ce que nous appelons le tapas. Ça provient de l'écorce d'une banyan. Ça servait de linceul pour nos défunts. Là. Et ça servait également à nos anciens aussi avant l'arrivée de la colonisation, avant l'arrivée avec le contact du monde extérieur, ça leur servait à envelopper l'étui pénien. Et ça servait également aux monnaies, à des échanges coutumières entre les clans, entre les chefferies, lors des grandes cérémonies coutumières, on offrait ça. Le tapas, c'est dans la langue de Canala, on appelle ça khata. Khata et ndourou. Il faut bien l'écarter. Hein. Poser à plat sur l'établi. Il faut qu'il y ait toujours de l'eau à côté de nous. Alors pour taper, il ne faut pas sortir des grandes écoles, les enfants. Hein. C'est simple. Alors on va commencer. Avec un peu d'eau, et on commence à taper. Et dès qu'on voit que c'est un peu sec, on replonge dans l'eau, et l'eau suit les rainures du maillet, et l'on tape. On plonge dans l'eau. Pour la fabrication et les techniques la fabrication de ce qu'on appelle khata, on a besoin de cet outil-là. Alors cet outil, ça s'appelle un maillet. Dans la langue de Canala, on appelle ça un chambon. Un chambon, il est fait à partir du cœur d'un bois qu'on appelle kaori, pardon. Ça, c'est un maillet qui est fait avec les machines d'aujourd'hui, avec tout ce qu'on a, le matos qu'on a aujourd'hui. Mais par contre, celui-là, on ne sait pas avec quelle matière, comment ils ont fait les dents. Le bagnon, il a une racine assez longue comme ça, hein. Assez longue aérienne. Tout le monde sait ce que c'est qu'un bagnon. Ça a une branche qui part de tous les côtés, là, dans tous les sens. Et vous avez des racines qui s'enfoncent dans la terre. Alors, on choisit une racine, une belle racine, et on va avec l'écorce de niaouli, on va l'envelopper, bien l'envelopper, suivant la longueur la longueur désirée, on l'enveloppe, on va l'attacher. On va l'attacher, pourquoi? Pour la simple et bonne raison que cette protection évite le départ des petites radicelles. Et puis, ça va permettre aussi, lorsque la pluie, au moment des grandes pluies, ça permet aussi, parce qu'avec l'écorce de niaouli, ça retient l'eau. Et ça permet de nourrir l'écorce. Et après, au bout d'un an, parce que ça se prépare un an à l'avance, et au bout d'un an, on coupe simplement
les ficelles et on détache la peau de niaouli et on récupère par la suite après la racine de mbagna, la peau de la racine de mbagna qui va nous servir à faire le tabac par la suite. Vous essayez les enfants, vous voulez? Oui. Journée organisée au Musée de Nouvelle-Calédonie et puis bon, je trouve que c'est une super idée d'organiser ces journées en parallèle de l'exposition Kanak, l'art est une parole, pour qu'on puisse vraiment apprendre à découvrir les techniques qui sont derrière les objets qu'on voit dans l'exposition. Le tapas, on va dire que c'est quelque chose qui est présent à travers le Pacifique. Par contre, moi, ça m'intriguait beaucoup comme technique. On peut savoir dans les livres que c'est fait d'une certaine façon, mais c'est autre chose de découvrir vraiment ce que c'est de faire le geste pour créer le tapas. Ouais. C'est plus simple que ça en a l'air, en fait. Hein. Simplement, c'est fatigant à la longue. Ça demande beaucoup de travail. Et on a préféré mettre ça de côté pour aller acheter les tissus, parce que c'est quelque chose qui est à la portée de la main. Et aujourd'hui, avec tout ce que nous apporte le monde extérieur, le travail, les écoles, bien sûr le travail salarié, on n'a plus le temps de le faire aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle peut-être que les gens ont préféré aller acheter un bout de tissu que de se reconcentrer au travail dur et long de la technique de fabrication du tabac. Si tu ne partages pas le métier, si tu gardes en toi le métier et puis tu meurs avec, c'est un métier qui ne sert à rien, c'est un travail qui ne sert à rien, quoi. Alors autant le partager, alors vu la... Enfin, surtout les enfants qui viennent, parce que ça, ce sont des enfants qui sont là. Et moi, je suis très heureux de partager, parce qu'il s'agit de partage aujourd'hui. On est très heureux de partager notre savoir-faire et la manière dont vivaient nos vieux avant l'époque de la... avec le contact du monde extérieur. Voilà, donc c'est vrai que ces ateliers sont importants à permettre aux gens du pays de redécouvrir ces traditions de nos vieux. C'est vrai, Elise, comme le dit le vieux Yvon Kona, le tissu moderne est venu remplacer un petit peu ces étoffes de nos vieux. Et aujourd'hui, pendant que certains vendent des peintures sur tapas, des peintures qui peuvent atteindre des prix considérables, oui. ça atteint facilement 25 à 30 000 francs, 30 000 de nos francs, et on a aussi certains clans du pays qui pensent à redonner au tapas, ce tapas en bagnant, le tapas à nous ici des vieux, redonner sa place au sein des échanges, des échanges, pardon, plutôt des cérémonies qui marquent un petit peu les différentes étapes de la vie des gens du pays ici. Mmh. Voilà, merci Duc d'être revenu sur le tapas. Merci Élise et merci encore à vous à la maison. Donc pour la rubrique C'est citoyen, aujourd'hui c'est toi qui la présente. Donc en Nouvelle-Calédonie, un statut civil coutumier est reconnu au Kanak, c'est le sujet du jour. Alors en effet Élise, jusqu'à l'accord de Nouméa en 98, on parlait plutôt de statut particulier pour distinguer un petit peu de l'autre statut, le statut de droit commun. Alors accord de Nouméa qui précise que le statut particulier s'appellera donc statut civil coutumier Kanak. Alors comment s'applique ce statut civil coutumier? En fait il s'applique à toutes les relations de nature civile entre personnes de statut coutumier Kanak. Ce statut coutumier Kanak prend en compte le droit de la famille, le droit des personnes, le droit des contrats, le droit foncier, et tout ce qui se trouve sur les terres concernées, on va dire les réserves. Mmh. Pour avoir une petite comparaison, ce sont les mêmes points que recouvre un petit peu le droit civil commun. Mmh. Alors, et comment ça se passe en cas de litige ou de problème, on va dire, grave? Alors pour les personnes de statut coutumier, les litiges sont réglés à l'amiable par les autorités ou en cas de conflit, on va dire que ce sont les assesseurs coutumiers qui se chargent du problème, les assesseurs coutumiers et puis qui sont aussi encadrés, conseillés par les chefs de clan. D'accord. Alors ils gèrent les litiges et justement les conflits qui a priori désorientent un peu les juristes occidentaux. Hein. Oui, on va dire qu'ils viennent compléter un petit peu, combler le manque de savoir par rapport à notre système de vie à nous ici au pays, là, le système dans notre société Kanak, si on peut dire ça comme ça. Et puis donc ces assesseurs viennent au tribunal donc en cas de litige, ce tribunal coutumier on va dire qu'il est composé de généralement deux assesseurs coutumiers. Et puis, ils sont assistés par, encadrés aussi par le juge professionnel, le juge civil. Mais du coup, que gère-t-il concrètement?
Alors, on va dire que leur fonction est assez large, mm-hmm. puisqu'on les retrouve dans les litiges qui concernent par exemple les divorces, les gardes des enfants. Mm-hmm. Ils vont même conseiller le juge sur le placement d'enfants mineurs qui commettent des délits, mm-hmm. sur Nouméa ou sur les grandes. D'accord, mais que vaut la voix de l'assesseur au sein de ce tribunal? Alors on va dire que leur voix est délibérative, donc elle a le même poids que la voix du juge professionnel. Mmh. Et en général, on retrouve deux assesseurs par délibération. Deux assesseurs, ils sont donc assistés et encadrés par le juge professionnel. Mais Élise, je vous propose à la maison qu'on écoute plutôt le sénateur Urisuki, le sénateur coutumier Urisuki, qui nous partage un peu plus d'informations sur ce thème-là. On vit avec la société occidentale et quelquefois il y a sur le droit il y a des choses qu'on ne peut pas, parce que nous on est par rapport à ce statut là il faut avoir mais c'est surtout au niveau des successions. Les successions, parce que bon, après quand il y a les décès et pour la succession, mais ça dépend des régions, ça dépend des pays, comment ça se passe au niveau du clan, quoi, parce que c'est pour ça qu'il y a les gens qui changent de statut, c'est par rapport à l'héritage. Voilà. Mais l'héritage, c'est un mot, parce que nous, au niveau du statut coutumier, c'est la coutume, quoi. Donc la coutume, ça veut dire que c'est le clan ou c'est. Mais tout dépend des régions. Quoi. Pour dire que voilà, la maison, c'est. Ou c'est la maman et les enfants, si c'est le papa qui est décédé. Ou si les parents sont décédés, c'est la succession, c'est les enfants. Ou c'est le clan. Voilà. Et c'est ça qui change par rapport au statut de droit commun. Dans mon district, dans l'air, c'est le. Comme maintenant on a mis en place dans l'autorité coutumière, c'est les chefs de clan. Le chef de sa clan. Donc, par rapport à la succession, c'est le chef de clan qui fait une demande maintenant à l'OPC, l'officier public coutumier, pour venir faire Il fait la demande au niveau de l'officier public coutumier pour faire un papier de succession. Et la demande, il donne à l'officier public coutumier. L'officier public coutumier, il fait l'état de tout ce qui revient à la qui doit être mis sur la succession. Mais le truc, c'est que dans la succession, ça concerne l'officier public coutumier, ne travaille que sur ce qui est à la tribu, mais pas en dehors de la tribu. Le rôle de chef de clan, c'est-à-dire, c'est pas un rôle, c'est une responsabilité. Responsabilité du chef de clan. C'est bon, le chef de clan, c'est lui qui gère le clan. C'est lui qui gère le clan. S'il y a les démarches à faire, s'il fait au niveau, mais c'est le clan qui. Par exemple, au niveau qui concerne les affaires coutumières au niveau du clan, mais le clan, il réunit. Par exemple, quand il y a un problème au niveau du clan, le clan réunit toute la famille pour régler les problèmes. C'est ça son rôle, et puis bon, il est le représentant. C'est maintenant au niveau des tribus. Avant, on disait le conseil des anciens. Mais maintenant, c'est le conseil du chef des clans, des chefs des clans. Le tribunal aussi. Le tribunal pour les enfants, pour les divorces, des trucs comme ça, mais il faut l'avis du chef de clan. C'est-à-dire qu'il faut que le chef de clan réunisse les familles pour discuter, pour pouvoir. Et des fois quand on est au tribunal, on n'arrive pas à régler des problèmes, mais on convoque les chefs de clan pour avoir leur avis, qu'est-ce qu'ils pensent. C'est ça leur responsabilité au niveau de la coutume. Quoi. Quand il y a le mariage, il faut que le chef de clan des deux mariés qui signe le. C'est plus comme avant. Maintenant, ce mariage est célébré par l'officier public coutumier. Et il appelle les chefs de clan pour signer. Voilà. Mais bon, des fois, il y a des problèmes au niveau de la signature, parce que le chef de clan, comme s'il y a des problèmes, s'il ne veut pas signer, puis bon, s'il ne veut pas signer, mais c'est le président du conseil des chefs de clan qui signe à sa place. Voilà. C'est comme ça. Pour le mariage, toi. Quand il y a le truc que tu passes au tribunal maintenant, comme c'est le tribunal civil coutumier,
c'est convoqué au tribunal. Bon, maintenant, c'est le juge avec les assesseurs qui jugent. Mais le juge, les assesseurs, c'est par exemple si tu es de la région Païti, mais il faut un assesseur de la région Païti. Parce que des fois, c'est un de la région Païti, puis un de la région Yaï. Ça fait qu'il faut un assesseur de chaque région qui siège au tribunal par rapport à. Pour juger, quoi. Avec le juge. Quoi. Il faut deux assesseurs. Voilà, c'est vrai que finalement, le droit coutumier englobe pas mal de choses, c'est assez large. Ça, on va dire que c'est un sujet très vaste, et puis de toute façon, on aura l'occasion encore de revenir sur ce thème-là dans nos prochains reportages tout au long de l'année. Et puis, voilà. Merci Duke. Et merci Élise, et merci encore à vous à la maison. Voilà, ainsi s'achève cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain pour une nouvelle quotidienne spéciale Coutume et Tradition.